Alors, pas de temps à perdre, messieurs, aujourd'hui, journée de contrôle. Ce qui veut dire... qu'est-ce que je dois faire? J'ai ramassé tous les trucs qui étaient illégaux là, j'ai laissé que deux pauvres. J'ai un truc là-dedans, d'ailleurs, je t'en veux dire. J'ai rien d'illégal, y'a pas de soucis. Deux délicieuses graines. Niveau bouffe, on commence à être juste. Faut peut-être qu'on fasse gaffe, quand même. Parce que on vend, c'est bien, mais... faut peut-être produire, après. Parce que là, ça commence à être un petit peu délicat, messieurs. Est-ce qu'on peut vendre encore des trucs ou pas du tout? Prends-moi le journal. Attends, montre le journal, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qui a peur de la bonne santé des Américains? Serpent errant, facteur disparition. Alors, est-ce que je vais devoir avoir une journée avec le sans facteur? Qui arrive, j'imagine. Ok, je peux vendre les baies. On échange. Bon, j'ai beaucoup de thunes. C'est bien. Maintenant, ça serait mieux d'avoir... je sais pas, prendre des graines. Ce qui serait mieux, c'est de pouvoir manger. Étonnamment, voyez-vous. C'est quand même vachement utile. Il me faut du métal, absolument. Donc vas-y, prends-en masse. Bois, je sais pas trop où j'en suis. Je peux pas abuser, vas-y. Acheter, y a rien. Lui, toujours pas. Le poisson. Algues. Décoratif pour votre aquarium. Oh, petit aquarium. Excellent ça, monsieur. Appât classique. 10 en stock, je peux les acheter maintenant. Ok. De ce côté, rien de particulier. Littéralement, est-ce que tournesol, betterave. J'en achète quelques-uns. Histoire d'avoir des graines. Oh, rangé. Littéralement, échanger. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il faut que j'achète une pioche? Pas, j'achète la pioche, vas-y. J'aurai forcément besoin d'une pioche plus tard. Et est-ce qu'on n'apprendrait pas à faire de meilleurs repas? Vas-y, je suis un fou. Je suis un fou, messieurs. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que je peux te fabriquer des choses en particulier qui auraient pu être utiles? Est-ce qu'une lampe agricole, du coup? Est-ce qu'on ne créerait pas une petite lampe agricole? Je fasse gaffe avec le timing quand même. N'est-ce pas? Ah, j'ai pas arrosé là? Ah, le génie. Le génie qui n'a pas arrosé. Un plaisir, n'est-ce pas? Mais. Pourquoi il tire la gueule? Pourtant, j'avais arrosé. Je comprends pas. Ah, à cause de la lumière! Je suis con. Enfin. Littéralement, enfin. Ok, bah ça tombe bien que j'ai pris mon truc. Ok, si je le mets là, ça fait les deux. Littéralement. Le problème, c'est que voilà. C'est que j'ai un petit souci. De type électrique. Éteindre. Ok, on a un petit souci de type électrique. Si je veux faire un générateur... Oh, j'ai pas... Non, j'ai pas le temps, là. Laisse tomber. J'ai pas le temps d'occuper de ça là. Pose-moi les deux seaux. Je peux pas les avoir, je crois. Ok, les deux seaux c'est bon. Sac à dos. Équiper. Ah oui, plus de poids. Voilà, je sais qu'il faut l'équiper en fait. Là j'ai équipé ce qu'il fallait. J'ai des œufs. Tout ça c'est bon. Ok, donc montons. On va se préparer pour l'arrivée du contrôleur. Pas qu'on fasse le con. Recouvrir. Ok, c'est recouvert. J'ai mon sac. J'ai l'air d'avoir le sac, on est d'accord. Je sais pas comment je fais pour voir mon personnage. Ah là. Ah, elle s'use la batte. Elle est bientôt finie. 5 de tissu. Ok, ça, j'ai l'air de la. Comme ça, je peux pas les avoir. Est-ce qu'il faut que je les pose? Je sais pas si. Je pense qu'il n'y a pas besoin, non? Est-ce qu'il y a besoin de déposer les trucs? Je pense pas. Ce que j'ai sur moi, logiquement, j'ai le droit de les avoir, non? Tant que je sors pas devant sa gueule. L'aide de Minuteman, non, peut-être pas le mettre là. Travail. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont légaux? Je peux rajouter un peu d'eau. On a rien d'autre de légal? Par ici, de l'eau. Ok, donc qu'est-ce que je voulais faire? Pourquoi j'ai voulu faire de la place? Ah oui, pour mon équipement. Pour mon équipement, monsieur. Je pense que j'ai pas besoin de le poser. Je crois que je suis un boulet. Ça me paraît très bizarre que je suis obligé de le poser. Par contre, 11h30, fais gaffe.
Arrête de faire le boulet et pose tout ça. Alors, recouvrir. C'est recouvert, c'est recouvert. Normalement, tout le nombre est bon. Là, j'ai tout enlevé. Je crois qu'on est ok, non? Pose les œufs. Je crois qu'on est ok, messieurs. Je vais poser mon eau. Voilà. Tout ce qui est lettres, on va laisser ici. S'il te plaît. Ça, je pose. Genre, j'ai déjà ouvert. J'ai plus de blé, on a le droit de l'avoir. Ah, elles vont mourir, mes pauvres poules. Faut que je m'en occupe absolument. Il faut absolument que je trouve une solution pour la poule, messieurs. Sinon, ça va être la merde. Oula. Tout est légal ou pas? Ah. Ah. Il y a un truc pas très légal. Je viens de tilter que le... Ah. Bon, bah, on va dire que ça passe parce que... Voilà. Ça sera le test comme ça. On va pouvoir voir si on va l'avoir sur nous ou pas. Acheter. Est-ce qu'il y avait un truc tourné au sol? C'est quoi, c'est le vieux journal? Qui c'est qui m'achète le vieux journal d'habitude? Je sais plus qui c'est. Personne là apparemment. Ok, j'espère que j'ai le droit d'avoir sur moi du coup, mais je pense que oui, non? Ah, je fais quoi? Si je me fais choper à cause de ça, ce serait trop con. Pioche. Faut pas que j'équipe la pioche surtout. Vieux journal posé. Livre de cuisine, lire. Oh. Ah oui, j'ai appris un paquet de... Oh, tout ce que j'ai appris à faire. C'est trop bien, le problème c'est qu'il faut du verre absolument en quantité. Je sais plus quelle solution. Ah, je peux faire avec du métal. Ah, je peux faire des soupes de bétail. Oh, nice. Donc ça c'est bon, j'ai lu le livre, il n'y a pas besoin de... Je peux le ranger. Ça se passe comment? Il l'a appris, c'est ok. Ok, il arrive. Faut que j'aille sur moi, c'est pour en avoir autant. J'espère que j'ai pas fait de conneries. J'espère que j'ai pas fait de conneries, messieurs. Ah. Dis-moi que ça passe. Ah. Nous avions besoin d'un garant indépendant pour chaque inspection. C'est préjudiciable pour la sécurité et le bien-être. Alors que maintenant, ça va beaucoup mieux. Il va tout seul, il a la confiance de tout le monde. N'est-ce pas? Jusque là, pas de problème. Allez, s'il te plaît, termine ta visite. Dis-moi qu'on a tout géré. Logiquement, oui. J'ai plus de radio ni de PC, mais ça parle de gêner. C'était pas obligatoire. Normalement, on est bon. Si ce qu'il y a sur moi pose pas de problème. J'espère. Non! Il faut une radio. Non! Je les ai craftés, quel con. C'est des trucs obligatoires. Non, l'idiot. J'aurais pu recharger la sauvegarde, mais bon, là c'est un peu abusé. Oh, le boulet! Je suis trop con. Je vais me crafter ça, là. Oh, le génie, littéralement, messieurs. Le génie. J'avais des crafts alors qu'il le fallait. Bon, bah, je suis un petit peu dégoûté. En plus, l'ordinateur, j'imagine, c'est une galère sans nom. Il faut juste un métal de plus. Oh, la déception! Je suis un énorme boulet. Voyez-vous. Du coup, je suis monté à 43% de suspicion. Ah, le con. C'est tellement bête. Attends, peut-être pas dormir autant quand même. S'il te plaît. Alors, si tu peux me poser la radio. On met là sa place. Ah, chut. Ah, ça consomme. Éteindre. Si j'éteins, c'est bon. Oh, je suis tellement déçu. Quel boulet. C'est trop con de se faire avoir là-dessus, quoi. C'est tellement stupide. Je n'ai pas de mots, messieurs. Bon, démonte-moi tout ça. On se met pas mal. Le problème, c'est que ma poule, elle va mourir, en fait. J'ai pas vraiment de solution. Je vais voir si... Ouais, je sais pas.
pour la poule, bon joueur. Ah non, c'est bon, attends, j'aurai tout ce qu'il faut, je crois. Vite, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, c'est faut que je creuse une salle. Oh, elle va mourir, c'est sûr. Je crois que c'est du foin. Je sais plus, du foin, il me semble. Ok, poulailler. Bois, métal, plastique. Ok, je peux faire les deux. Je peux faire les deux, il faudra que je fasse la salle demain. J'espère qu'ils vont pas crever. Je vous avoue. Ok, est-ce que je peux le poser? Attends, vas-y, descends. Je sais pas si je peux juste poser mes poules là. Ah, c'est con, j'ai gaspillé de l'eau pour rien. Fin. Littéralement. Fin. Est-ce que je peux poser là mes poulaillers? Oh, ça passe! Oui. Par contre, effectivement, petit problème. De type gênant. Prendre. Est-ce que ça passe? Yes, ça passe! Ok, donc on va vite chercher les poules. On est sauvés, messieurs. C'est bon, j'ai de la bouffe. Normalement, je crois que j'ai ce qu'il faut. Vas-y, redescends. Parce que forcément, les poules dans le l'armoire, elles ont moyennement kiffé. Étonnamment, n'est-ce pas? Ok, elles ont faim. Mais je vais te filer tout ce que tu... non, c'est pas ça, ok. Voilà, t'as de quoi manger. Bah mange. T'es con ou ça se passe comment? Juste ça, je dis rien. Ça, c'est pas prêt encore ou bien? J'ai besoin de quoi? Pas prêt. Le problème, c'est qu'il y a plus d'eau en plus. Ah, l'enfer. Quel gaspillage absolu et total. Voyez-vous. Allez, je suis là. Voilà. On remonte. Attends, le foin, j'ai pas besoin, la salade. Ah si, j'ai récupéré des choux. Littéralement, enfin. C'est bon. Allez dormir, ouais, je vais dormir. T'inquiète, t'inquiète. Est-ce que j'ai le temps de poser ma salade? Non, tombe pas, s'il te plaît. Ça fut une journée compliquée, c'est pas le moment de craquer. On s'en est sorti, on a des poulets, messieurs, on a des poulets, c'est magnifique. Ouf. Alors, nouvelle journée, comment vont mes petites poules? Mais pourquoi elles mangent pas? Je comprends pas, elles sont stupides ou... Dites-moi, vous êtes... Ah, c'est bon, elles mangent, ok, non, c'est bon, on est sauvés. On est sauvés, messieurs, remonte. Yeah, c'est bon, elle mange, parfait. Ah bah non, ça est sorti. Dans la difficulté... Ah merde, il a plu. J'aurais dû remettre les seaux, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas pensé à ça. Petite erreur, messieurs. J'ai plus rien à manger, par contre. Littéralement, j'ai rien. Ça va être compliqué, là. Prendre. Non, oh non, le con, c'est recevoir ce que je voulais faire. Mais je suis trop... Dis-moi que ça a récupéré l'eau, j'espère. Oui, j'imagine. Ils sont quand même pas bâtards à ce point. Enfin, j'espère. N'est-ce pas? Ok, les seaux d'eau sont posés. Il faut que je repose la terre. Le problème, c'est que s'il pleut pas, ça va être compliqué de la mettre. Ça va être compliqué de la mettre. Elle manque de lumière, là. Attends, prends-moi ça. Deux petites secondes. On verra ça. Par contre, ici, il va falloir que je ressorte. C'est prêt? Parfait, parfait. Vas-y. Non, c'est pas prêt, là? Ah oui. Ok. On a un petit peu de bouffe, c'est déjà ça. Non, il a remis de l'eau, le con! Ah non! C'est pas tout ce que je voulais, là. Clairement. Donc, ça veut dire... Ça, prends-les. Inspecter, changer de couleur... Là, tu peux allumer. Non, pas prendre. Oh, là, je suis un boulet. Je suis un énorme boulet. Ok. Non, je suis arrivé. Prendre. Est-ce que je peux allumer? D'accord, ça consomme beaucoup trop, ça. Littéralement, enfin.
éteindre. On va y arriver. Non, merde, ça a pété. Oh, non, ça a cassé les plantes. Mais non, mais... Oh, mais je suis con. C'est pas possible. Oh, mais le génie, quoi. Le génie incompris, messieurs. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Allume-moi ça. Mais par contre, changer de couleur, voilà, blanc. Bon, j'ai clairement fait de la merde de ce côté-là, on va pas se cacher. Mais bon, pose-moi l'eau. Enfin, j'ai récupéré un peu de. On va voir ce qu'on peut en faire. Ça, il faudrait que je le décrafte. Qu'est-ce qu'on devait faire d'autre? Faut que je reprenne mes affaires. Je crois que c'est bon, non? J'ai pas ce qu'il faut là. Par contre, j'ai un peu faim. Sans qu'on puisse faire à manger. Bigot. Faut. Écoute, fais-moi du bigot. Parce que je t'avoue que bon. Faut... Je comptais plutôt le vendre, mais on fera avec. N'est-ce pas? Manger. Manger. Du bon gros bigot, sa mère. Cuisseau cuisiné. Et il pleut, yes! Stop, stop, stop! Attends, mets au frigo. C'en est ouf. Hein. Ok. Est-ce que je peux crafter encore un seau? Ça va être trop long. Non, attends, c'est con ce que je fais. C'est con. Niveau seau. Allez. Ramasse-moi tout ça. Parfait, parfait. Ça nous fait un petit peu d'eau en plus. Ah mais attends, attends, il fait que je mette la terre. Non, j'ai oublié, je suis trop con. Vite, vite, vite la terre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est bon. Où est la terre? Restante. 7. Y a pas de... qui remonte. Dépêche-toi. Faut que je replante aussi. Est-ce que je peux planter tout ça? Oui. Vite, 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 vite. Oh, j'aurais dû le mettre avant, je suis trop con. Littéralement. Ok. Essayez de pas faire de la merde. Et si possible, rapidement. Allez, 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 allez. Planter. Ça fait un arrosage gratos. Autant dire que ça sera utile. Je pense qu'on a le temps. On a le temps, j'espère. Histoire de se mettre bien. Planter. Non, 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 j'ai mal mis, j'ai mal mis. Voilà. Deux petites secondes. Ok, ben voilà. Ça devrait le faire. Planter. Ça devrait le faire. Comme ça, on a tous les plantations. On est super bien. On est littéralement super bien. Fait. Je crois que je peux s'en mettre plus, non? Peut-être encore un. Plus tard, au cas où. Ce qui veut dire. Vite, ramasse l'eau. C'est du taf, messieurs, c'est du taf. Ok. Du coup, je pourrais récupérer plein de trucs à bouffer. Ce qui va fortement m'arranger. Vu la situation. Donc, tout ça que j'avais quoi? J'avais des graines. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce que je pouvais vendre? J'avais quoi? Il me restait quoi sur moi? Est-ce que je pourrais t'en vendre? Ah, attends, le sel! Il y a la fille qui est là enfin. Vite, 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 parle-lui, parle-lui, parle-lui. C'est le sel que tu voulais, madame? Oh non, mais tu es sérieux maintenant, tu veux de la farine? J'avais acheté du sel exprès pour toi! T'es pas chiante dans le genre! La farine, elle veut, fille. Minuteman, je prends. Alors, de la farine, elle veut, fille. Sugar, j'ai pas de farine malheureusement. Poisson grillé. Non, c'est acheté. Sugar. Ouais, ils vendent pas de farine. Je vais pas pouvoir te faire ça. Malheureusement, enfin. Tiens, on achète. Ah, j'ai plus de thunes. On est un petit peu à sec. J'ai fait quoi pour plus avoir de thunes? Littéralement. Merde, j'ai acheté, quel con! Non, je voulais vendre! Ah, je suis débile! J'ai inversé! Ok, je suis un génie. Je peux rien te vendre.
Ok, j'ai plus une thune. C'est un plaisir. Littéralement. Attends, range ça. Rapport de l'agent. Désapplique, ranger là. Ok, Minuteman, les boîtes. Minuteman. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Minuteman? Littéralement. Notre grand père ayant des problèmes d'électricité, l'agent prévoit de commencer à contrôler la consommation domestique d'électricité. Ok, faut pas trop consommer. Il faut que je mette à semer un générateur. Ma source à l'agence me dit que la consommation d'eau sera ajoutée aux choses vérifiées lors d'inspection. Ok, faut aussi checker l'eau. Pas de problème, pas de problème. Bon bah du coup on est tout arrosé, parfait. On est pas mal. Ce qui veut dire que ça je dois me descendre. Oh, faut que je fasse la sieste d'abord. Je suis crevé littéralement. Une petite sieste messieurs, histoire de se mettre bien. Ok, 16h40, abuse peut-être pas trop non plus. Alors, tout prendre. J'ai l'habitude de faire des balades en télécabine à travers la forêt le dimanche ensoleillé avant la peste. Quelqu'un devrait apparaître le téléphérique. C'est mon but, c'est mon but. Ça viendra un jour. Attends, du coup, je revends ça. Voyez-vous. Donc, j'ai ça à décrafter. Littéralement. 4 de métal, c'est la rentabilité, n'empêche. Clairement. Ah non, 2. Démonter. Fais-toi plaisir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que je devais recevoir? J'ai commandé un truc. Ah oui, j'ai vendu, c'est vrai. Je prends. Niveau tuna, on n'est pas riche du tout. Donc, traire les chèvres. Ah, faut que je retourne traire les chèvres. Oh, y a trop de choses. Y a trop de choses à faire, messieurs. Ok, allons vite chercher ce qu'il y a à récupérer. Littéralement. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça s'est passé? J'ai les ciseaux et les chiens, ils sont sains et saufs. Bien. Voilà, on prend les effets de ton travail. Tu peux apporter le lait, les œufs de mes animaux. Ok, c'est à moi d'aller les chercher. Bon, t'aurais pu... Voilà, c'est déjà 8h. Il aurait clairement pu me les laisser, foiré. Voyez-vous. Collecter. Alors, traire. Je sais que vous dormiez, donc petit, désolé. Ok, je peux juste les prendre. Ça a l'air bon, parfait. Est-ce qu'il faut leur refiler de la bouffe? C'est bon, il y a encore 6. Ça a l'air d'aller. De ce côté, par contre, on va rajouter un petit peu. Pas tous, faut pas déconner non plus. Voilà. Oula, on voit de nouveau plus rien, super. Parler. Je dois lui filer les œufs, j'imagine. Qu'est-ce que tu veux comme poisson après? Cote-cote. Varon, dit-il. Plus apporter un poisson comme ça, un varon, je te récompenserai. Ok. Tu voulais pas que je te file les œufs? Je peux les garder? Apporter 3 bouteilles de lait et 5 œufs à Will. Je les apporte comment? Je les ai en fait. Tu as le lait et les œufs, oui. Bah oui, je les ai. Comment ça, j'y travaille? Ah, j'ai peut-être pas assez simplement. Ah ouais, c'est que j'en ai pas assez. Exactement le problème. Donc on peut retourner à la maison. Compliqué, il y a tellement de choses à faire. Est-ce que je peux vendre le lait d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un m'achète du lait? Le sel? Personne m'achète de lait? Non. Ok. C'était au cas où, écoute. Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Niveau bouffe. Alors. Ah zut, j'ai pas rangé les trucs, je suis con. Je suis un boulet, messieurs. Le lait au frigo. Est-ce que niveau bouffe, attends, j'ai quoi? Un peu d'eau, merci bien. Niveau bouffe, j'ai ça. Voilà. Histoire de... Est-ce qu'il faut que je pose des trucs? Attends, ça, je peux le poser directement.
Foin. J'aurais dû le laisser là-bas en fait, je suis en train de le dire d'ailleurs. Littéralement, enfin. Et comment je fais pour avoir plus de poules? Aucune idée. J'avoue que je serais pas contre. Ok. Après, il faut vraiment un générateur. Il faut absolument un générateur, mais comment faire un générateur? Oh, caisse de mineur. Je peux la créer, j'ai le temps ou pas? 23h29. Pause, 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 j'ai pas le temps. Prends pas de risque. Il faut qu'on aille dormir, messieurs. On est cassé. Les journées passent tellement vite, il y a tellement de choses à faire. C'est un truc de fou. Littéralement. Ok. Pas de courrier ces prochains jours et inspection le dimanche, du coup. Plus rapide. Nouvelle journée, du coup, faut absolument que je pense à recrafter l'ordinateur d'ailleurs. Vu que je suis un boulet qui a tout cassé. Ça serait une bonne chose. J'ai quoi manger? Est-ce que je peux... Ouais, je peux manger un œuf, quoi. Littéralement, attends, on va voir si on peut vendre des choses. Le problème, c'est que j'ai plus grand-chose à manger. Accessoirement. Ok, rien par ici, rien là. Qu'est-ce que je peux vendre? Attends, c'est qui achète mes trucs, déjà? Ok, Jenny, je te vends ça. Échanger, toujours 30 balles qui vont rentrer. Le problème, ça va être le verre aussi. Faut vraiment que je puisse faire de... Comment on chauffe du verre? Jenny, il faut que je monte en... Attends, c'est où, c'est là? Il faut que je continue de l'acheter pour monter en level. Logiquement, enfin. Tiens, j'en prends toujours un de plus. Histoire de, j'ai envie de te dire. Des carottes, je prends. Ok, ce qui veut dire... ce qui veut dire, allons chercher ce qu'il y a des œufs. Non, il n'y a pas d'œufs en fait, c'est tout. Là, il n'y a rien. Est-ce que j'ai de l'eau? Non, j'ai de l'eau là, 5. J'ai pas de graines, zut. Voyez-vous. Alors, carottes, foin, graines de choux. Je sais pas, vas-y, choux. Faut... Alors, vas-y, on va partager. Prenons de tout. Faut... 6, j'en ai combien d'eau? Enfin, j'en ai 5. Goût planté. Le truc, c'est que. Attends, éteindre. Je les ai enlevés. Ah, je les ai enlevés, je suis un boulet. Ils sont du coup mes lumières. Prendre. J'en avais juste une là? J'en avais pas d'autres? C'est pas idéal, disons. Planter. Ah, mais y a pas assez de lumière, bref. J'avais forcément une de plus. J'ai dû faire une connerie. Littéralement, enfin. Tac. On met de l'eau. Mais le problème, ça va être qu'il me faut une lumière de plus. Et j'en ai pas du tout. Fin. J'ai foutu. Attends, j'ai mis lave. Est-ce que je l'aurais mis ici? J'ai forcément une lumière théoriquement. Comment je faisais avant? Séchoir. Générateur vapeur. Du bois combien? J'ai pas de bois. Comment tu veux que j'utilise ça? Applique. Je sais pas si j'ai assez d'électricité ou pas. Je ne sais même pas si ça peut vraiment passer. T'en prendre. Une lave. Une ici. Oh, c'est pas fou. C'est quand même de la merde ce truc du coup. C'est clairement pas idéal. Attends, si je les mets comme ça, ça change rien, non? Ça reste totalement éclaté. J'ai l'impression. Est-ce que j'avais combien? Ok. On va partir comme ça. Mais c'est clairement pas idéal tout ça, messieurs. Enfin, même une de plus, théoriquement. Bon, bah, on fera avec. Ça poussera comme ça poussera, écoutez. Parce que bon. C'est la merde. Littéralement. C'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que j'avais? De l'eau, enfin.
Littéralement, j'ai vendu mon... mes carottes, je peux pas les vendre aujourd'hui. J'attends, j'ai pas fait gaffe à ce que j'avais. Ok, je prends. Ce qui veut dire décrafter ça. On va y arriver. Ça c'est bon. Est-ce que je peux poser mes petites graines? C'est prêt ou pas? Ah c'est prêt. Je crois que c'est prêt. J'espère qu'il n'y a plus d'eau. Est-ce que je peux te poser? Non, pas spécialement. Attends, bah reprends-les. Littéralement. Ouh. Oh, on se met bien par contre. Alors là, messieurs, on se met sacrément bien. Niveau légumes. L'idéal, c'est qu'il pleuve de nouveau. Voilà, magnifique. Magnifique. Et dès qu'il pleut, je remets. Je sais pas si c'est vraiment la peine d'arroser ou qu'il faut attendre. Qu'est-ce que j'avais là? Spécial. Est-ce que je peux vendre des trucs avec tout ce qu'on a récupéré là? Vendre. Histoire de faire rentrer un peu de cash. Il faut que je fasse à manger. Le souci, c'est qu'il faut quand même manger, messieurs. Enfin, graines de Kurama. De Guarana, pardon, pas de Guarana. Est-ce que j'en prends? Je crois que j'en... Le problème, c'est qu'il me semble que le Guarana... Je crois pas que... Bon, j'achète. Mais me semble-t-il... Si je dis pas de bêtises, je peux pas le faire directement là. Il me semble. Attends, qu'est-ce que je dois faire? Pose tes graines. Alors. Mes délicieuses graines, c'est bon. L'aide du Minuteman. Électricité. Attends, non, restez pas là. Et eau. Est-ce que je peux. Il faut que je crafte un autre meuble. Il y a quoi comme meuble de rangement qui puisse aller? Les meubles de rangement, séchoir, réfrigérateur, lampe, fourneau. Ça se rend joue, messieurs. Ah, c'est que j'ai plus de bois. Ah, oui, j'ai que dalle niveau bois. Oh, l'enfer. Écoute, laisse tout là pour le moment. Effectivement, est-ce que je devais pas mac. Il m'a mis le. Ah, j'ai pas fini de la faire. J'ai pas fini de la faire, le casque. Attends. Je recommence de zéro? Je sais pas, j'ai pas réutilisé mes matériaux en plus. Littéralement, ok, équipé. J'ai mis ce que j'ai pu. Faudrait que j'aille à la mine. Le problème, c'est que ça m'a trop de choses à faire. C'est terrible. C'est absolument terrible. Le problème, c'est que 20 pour du bois, ça me fait mal au cœur. Je reprends ça. Vas-y, échange. C'est monter le level de toute façon. C'est important de monter le level. Toi, je peux pas vraiment t'acheter des trucs. La farine, t'en as pas. Les carottes, écoute. Ah, mais attends, je peux acheter les carottes là et les revendre de l'autre côté. De toute manière. Elle les achète à 1 et tu t'achètes à 6. Ok, est-ce que elle les reprend à 1 normalement, les carottes. Bon, pas tout le temps, mais quand elle les reprend, elle les prend à 1. 5, 6. Qu'est-ce qu'elle me vend? Les pommes à 10? Attends, les pommes, elle me prend à 10. Est-ce que je peux acheter? Est-ce que le truc, c'est que si je réussis. Pourquoi elle me reprend? Ah non, c'est des tomates, c'est pas de la pomme ça. Ok, c'est ça, pomme 13. La tomate, elle la prend à 5. 4. Je perds 1. Je perds 1, mais l'avantage, c'est que ça me fait monter en niveau en fait. En tout sens, j'ai pas spécialement d'argent. Mais. C'est vrai que peut-être en acheter quelques-uns. Je vais en acheter qu'une, ça vaut pas la peine. Littéralement, enfin. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? À manger, j'ai plus grand-chose. Il faut que je puisse préparer quelque chose. Est-ce que j'ai de l'eau qui traîne? C'est quoi ce bruit d'avion? Ok. Pourquoi il y a un avion sur nos gueules? Je ne sais pas, messieurs, je ne sais pas. Carotte, betterave. Est-ce que la soupe de betterave tient mieux au ventre? Boîte de conserve, hein, sel, métal. Ah, mais je peux faire des conserves maintenant. Ah. On peut bientôt commencer à faire des trucs intéressants. Maïs mariné, parce que je peux faire tous ces trucs. Champignons, maïs, choux. Ah, les choux! Ah, je peux faire du kimchi machin là? Ce qui a l'air plutôt cool.
Parce que le kimchi machin, peut-être qu'il me l'achète à un prix intéressant. Voyez-vous. Ok, je prends tout ça. Sauvé dans le lit de quelqu'un d'autre samedi dernier, il jure qu'il ne sait pas comment c'est arrivé, mais Sunshine ne croit pas. Qu'est-ce que qui m'achèterait du coup? Vendre. Kimchi, il me l'achète à 19. Oh, ça pourrait être intéressant à faire ça, messieurs. Non, acheter. Du sel, il me faudra du sel par contre. J'ai l'impression. Ok, bon, bah, on avance petit à petit, mais. Compliqué. Vas-y, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut absolument qu'on puisse faire un truc pour l'électricité. Le problème, c'est que j'ai pas de bois. Littéralement. Oula, il faut crever. Ah, je peux même pas aller chercher le bois aujourd'hui. Faut qu'on retourne dans la forêt, faire tout le tour demain. Et qu'on essaie de récupérer un max de bois. J'imagine que le bois a commencé à respawn. Hein. Parce que là. Oh, ça va être délicat, disons. Ça commence à être délicat. 3 bouteilles de lait. Ok, merci pour le sel. 5 œufs et 3 bouteilles de lait. J'ai les ça, non? 5 œufs et 3 bouteilles de lait. Bah, je les ai totalement. Séparé, ok. Tac, range-moi ça. Je les ai totalement, messieurs. Ça, on le pose. Ok, laisse-moi ça pour le moment ici. Est-ce que je peux y aller? C'est déjà 8h. Mais logiquement, je peux lui filer. Ça, toujours ça te fait. Au moins, on a avancé quelque chose de concret. Ah, mais il pleut, zut, j'ai pas fait gaffe. Le boulet. Ah, bah, il est pas là. Ah, bah, c'est la nuit, du coup, il est pas là. Ah. Ah, non, il est là. Collectif. Salut, le vieux. J'ai peut-être quelque chose qui t'intéresserait. Quelque chose de terrible. Que s'est-il passé? Les chèvres ont encore détruit quelque chose? Non, bien pire, elles se sont échappées. Une chèvre et deux poules. Je t'avais dit, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est une raison pour laquelle je ne suis pas très efficace. L'agence va encore me donner du fil à retordre. Laisse-moi jeter un coup d'œil, d'accord? Je vais peut-être comprendre ce qui s'est passé. Ok. Bah, genre, elles se sont barrées par derrière, simplement. C'est bien Will de refermer cette porte tous les soirs. Fermé. Peut-être qu'il a oublié. Will, as-tu oublié ça? J'ai du lait des œufs. Ouais. Pas maintenant, mais ça pourrait être quelque chose de plus important pour l'instant. Bah, j'ai fermé la porte en fait. Non? J'ai du lait des œufs. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est 20h. Ah là, oui, peut-être le trou effectivement. T'en ouvre. C'est clairement ce magnifique trou qui est responsable de tout ça. Il était fait de l'intérieur. Faut pas que ce soit une des chèvres. Je peux le réparer? 15 de bois. Oh, tu coûtes cher. J'ai pas 15 de bois en fait, j'ai absolument pas de bois. Oh, ça va me coûter une fortune cette connerie. Ça va me coûter une fortune, messieurs. Ouvre. Est-ce qu'il est un peu con? Littéralement. On le ferme, ça sert pas à grand chose. Et viens lui parler. Non mais non, dis-lui que c'est à cause du trou. Bon bah tant pis pour toi que je me barre. Faut qu'on vienne avec du bois, mais le problème c'est que... Comment tu veux que je sorte du bois? T'es gentil. Ça coûte une petite fortune. On peut vite faire un tour à la forêt, le problème c'est que de nuit on voit absolument rien. Donc c'est peut-être pas le meilleur, meilleure idée du monde. Vous voyez vous. Bon, moi je peux collecter les trucs. C'est toujours ça, j'ai besoin de bouffe. Même si c'est un peu éclaté globalement. C'est toujours ça de prix. Est-ce que je peux me faire attaquer la nuit? J'en ai aucune idée. Ok. Oh du bois. Yes, le bois respawn messieurs. Ce qui veut dire. Est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai un peu de temps, ça va. On a un petit peu de temps. Niveau 5, j'en suis à combien? Je vais mettre 140. Comme ça. Ah oui, j'ai de l'eau et tout. J'ai oublié de poser. Pardon. On pourra revenir comme ça demain tranquillement. Enfin, on sait qu'il y a du bois qui a respawn. Est-ce que c'était l'autre côté? Est-ce que j'aurais raté? Ah zut, le bois de l'autre côté. Non. Reviens là, s'il te plaît. C'était littéralement de l'autre côté. Ça, faut qu'on rentre. Prends ce délicieux bois. T'arrives?
S'il te plaît. Ah mais dépêche-toi pas surtout. Prends ton temps, vraiment. On n'est absolument pas pressé, n'est-ce pas? Prendre. Déjà que le jeu de base est pas facile, mais le fait d'ajouter en plus agriculture, ça fait tellement de trucs à faire. C'est juste un truc de fou. Littéralement, enfin. Ok. Qu'est-ce qu'il faut poser? Ah, puis il y a l'ordinateur que je dois refaire, c'est vrai. Faut pas qu'on oublie ça. Ok, ça c'est bon. Vite, pose l'eau. Ah, mais attends, fait que je plante du poids. Attends, l'enfer. Il faut aller planter. J'ai connu zappé ce détail, je suis trop con. Vite, vite, vite. Récupère les graines, elles sont ouf. Je crois qu'elles sont là. Si je dis pas de bêtises, j'ai quoi? Carotte. Guarana, je pense pas que ça pousse là. Malheureusement, chou. Carotte, c'est bon, j'en ai. Vite, 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 tu as planté. Il est fatigué, il faut qu'il tienne. Absolument. Allez, plante, plante, plante. Pas de temps à plaire, messieurs. Je sais que je dois aller dormir, mais on est occupé. Oh non, il arrête de pleuvoir, t'es sérieux? Oh non, il arrête de pleuvoir! Je me suis fait arnaquer magnifiquement, messieurs. Bon, j'aurais dû arrêter, du coup. Ah mais non, mais j'ai le contrôle en plus, je suis con. Mais non, j'ai le contrôle, arrête. Attends, que faire? Du coup, arrose. J'ai encore tombé dans les pommes. Tel le génie que je suis. Vite, 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 j'ai fait de la merde. Voilà, vite, va dormir, pas que je m'effondre. J'ai fait n'importe quoi, littéralement, là. C'est... ouais, pas optimal, je crois, ce que j'ai fait. On verra bien. Je pense avoir plein de trucs à faire en plus. Ok, donc pas de livraison aujourd'hui et demain. Donc on a que 2 jours. Ouf, ouais, c'est juste. C'est sacrément juste, littéralement. Oh, pas de livreur aujourd'hui, malheureusement. Le facteur est absent, messieurs. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Allons vite manger un truc. Dehors, j'espère que ça pourra pousser avant que le gars arrive. Sinon, ça sent un petit peu gênant. Enfin, il faut du bois. Ok, faut que j'aille absolument dans la forêt. Le problème, c'est que ça, je peux le vendre. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, je peux pas le vendre. Ah, je peux aller la voir. Je peux aller... bah, attends, prends ça. Zut. Je suis trop lourd, sérieux? Attends, pose l'eau. J'imagine. Le sel, je vais pouvoir le poser. Ah, j'ai plus de place. On est un petit peu plein. Est-ce que je peux ranger ça là? Ok, je pose du sel. Peut-être pas prendre tous les légumes avec moi. Juste les baies. Je pourrais lui vendre. Et je pourrais toujours manger. Attends, quoi que faire à manger? Ah, je sais pas quoi faire. Poulet rôti. Il y a tellement de choses à faire. Ok. Mange un bon petit poulet rôti. Voilà, on se met bien. Ça fait plaisir. Donc ça, je range. Ça, je range. J'ai quoi avec moi? Ok, j'ai un peu de bois. Pose tout ce que tu peux. Parfait. J'ai plus de place. Ouais, c'est un peu le bordel. C'est un tout petit peu le bordel. C'est bon, j'ai tout posé? Qu'est-ce qu'il me restait d'autre? Des appâts. Ah, j'ai des appâts ici. J'ai pas d'appâts à mettre. Absolument pas. Peut-être en bas. C'est pas impossible, il y a des œufs ramassés. Ce problème, c'est qu'il faut du bois en grande quantité. Ça, c'est pour le poisson. Du coup, appât exotique pour animaux rares, non, c'est pas ce qu'il me faut là. Ok, bon bah remonte. Donc, champignons, bouteille de lait, œufs, mais ça il faut du bois. Je propose d'aller dans la forêt. Attends, fais une sieste d'abord. Fais une petite sieste et go dans la forêt. On va récupérer un max de ressources parce que là, effectivement, ça commence à être compliqué. Vas-y, on sort mes full vie. Bon gros dodo des familles, messieurs, qui nous fait du bien. On récupère toutes les ressources dans la forêt, dans toutes les zones, parce qu'il y a plein de trucs dont j'ai besoin. Attends, je crois que j'ai pris avec moi l'appât ou pas? J'ai pris avec moi, parfait. Comme ça, ça c'est fait. Je vais faire toute la zone là. Tiens, à prendre. C'était sûr que j'ai raté des trucs dans la nuit. Et on fait la première zone après la deuxième. On rentre, on pose tout ça, on fait du bois, on va pouvoir réparer la grange, etc, etc. On va faire les choses dans l'ordre. Quelque chose là, non, c'est juste la sortie, y a rien. Allez vite. Déplacement de la souris là qui est un peu long.
Enfin, de la caméra. Pour être exact. Forcément, venir la nuit, c'était pas le meilleur plan. Parce que du coup, je me retape de nouveau ça. C'est toujours la même chose, ça, on a déjà vu. Ah, c'est le club de la chasseresse, ça. Littéralement, enfin. Bien sûr que ça valait la peine pour un pot. Enfin, pour des baies. Je suis pas certain du move, messieurs. Vas-y, ramasse-moi ça. Oh, encore du bois, parfait. Ah mais c'est la fin, je crois. Je crois que ouais, la première zone est toute petite. Littéralement, de toute façon, en termes de poids, ça va vite. Je sais pas combien, 48. Non, je sais pas encore. Ok. On a fait le tour. Faut que je puisse aller au téléphérique. Pour aller au téléphérique, le plus simple, je pense, serait de retourner là. Est-ce que je peux directement spawn à l'entrée? Ce qui aurait été extrêmement pratique. Tac. Ok. Il faut qu'on aille aussi voir la fille. Pour récupérer éventuellement. Attends, niveau 2. Pour récupérer. Enfin, pour vendre des baies. Que j'en ai sur moi, si elle les prend aujourd'hui, peut-être. Avec un peu de chance. Ok, zone 2. La suite est là-bas. Normalement, il y a du bois. Enfin, partout. Toutes les zones ont du bois. Me semble-t-il. Parce que bon, des baies, c'est gentil, mais. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est toujours utile. Je dis pas le contraire. Mais c'est vrai qu'à choisir, bon. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu prendre les trucs à poser là, pas que j'oublie. Ok, par ici. J'espère que je peux trouver encore un peu de bois, mais à combien? Ouais, je peux largement en prendre plus. Et ça vaut tellement cher le bois. Littéralement. Ok, tout ça, ça a déjà été fait normalement. J'imagine qu'il n'y a pas du respawn de loot là-dedans. Ça serait un petit peu bizarre. Non. Malheureusement, faut pas compter là-dessus. Ce qui est plutôt logique en même temps. Vous me direz. Pas de bois par là. Je peux retourner comme ça. Je me fais pas attaquer, non? J'espère pas. J'espère que c'est safe, messieurs. Prendre. Bon, du coup, on aura vraiment loot au maximum. Tout ce qui était possible. Ah, attends, mais j'ai pas looté ça du coup. Ah, si. Je l'ai totalement looté. Et je crois que là, j'avais pas looté. On doit pouvoir prendre la. Y'a pas quelque chose? Non, juste ça. Peut-être j'ai pas pris ça. Non. Ok, il me semblait qu'on pouvait prendre la... le terrier. Mais non. Pour l'impression. Est-ce que je peux te filer du coup? Jenny, bonjour à toi. Les champignons, pas du tout. J'aimerais. Non, j'ai pas les champignons, je vais te vendre quelque chose. Mais tant pis du coup. On fera littéralement avec. Rien d'autre. Y'a rien qui a respawn là-dedans ou. Qui aurait pu. Oh! J'ai raté ça. J'en avais raté un. Ok, rien. Égal. Elle était pour les droits. Peut-être savoir. Les voici qui. Ah oui, il faudrait que je puisse chasser, ça serait stylé ça. J'avoue. Alors, depuis la peste, des nouvelles qui rien d'intéressant. Je sais pas s'il y a autre chose. Non, ça m'a l'air d'être bon. Littéralement. Non, il n'y a rien. On peut y aller, messieurs. Ok, donc on peut se barrer. On a fait absolument tout ce qu'il fallait dans la forêt. Ce qui veut dire, par rapport au poids que j'ai, est-ce qu'il faut quand même que je rentre vite fait à la maison? Je pense qu'on va d'abord poser ça. C'est quoi, 14h20? On peut peut-être aller dans la grotte. On aurait pu pêcher aussi. Ah, c'est vrai que pêcher. Écoute, j'ai envie de te dire. C'est aussi dans mes défis. Alors. On pose ça. Je sais pas ce qui est le plus rentable. Manger direct, en faire un smoothie. Ok, ça pose. Tout ça, c'est bon. Attends, c'est déjà prêt, ça? Ouh. Un truc déjà prêt, parfait. Ah non, ça va pas du tout. C'est absolument pas prêt, mais bientôt. Logiquement, enfin. Ce qui veut dire, qu'est-ce que je voulais faire? Le bois. Est-ce que j'ai du bois sur moi, enfin. Attends, là. Prends le bois. Ça, on laisse là. Go, décrafter du bois. Ça fait 5 de bois à chaque fois. 15 heures, est-ce que j'aurai le temps de réparer? Il fallait 15 de bois. Littéralement. Ça me paraît un peu compliqué. Oh, c'est bien niveau bois par contre. Ok, vas-y, barre-toi. Niveau poids, c'est bon, j'ai rien.
Ce qui veut dire. Allons. Réparer ça. Oh, c'est que les journées sont trop courtes. C'est un enfer, littéralement. Enfin. Attends, j'ai pas le lait par contre. Pas encore, désolé. Oui, j'y vais, j'y vais. Ah, il repleut! Faut que je retourne à la maison! Absolument! Ah, mais de toute façon, il y a le contrôle, je crois. Attends, prends ce que t'as à prendre. Ah, il y a trop de choses. Attends, est-ce que j'ai de la bouffe? C'est bon? Va les raser. Parfait, parfait, elles sont contentes. Je récupère quoi du coup quand je les rase? Ouvrir. Alors, répare-moi ça. Je devais rentrer, mais tant pis, écoute. 15 de bois, c'est pareil. Oh, c'est énorme, 15 de bois. C'est littéralement énorme. Je me sens un petit peu arnaqué, messieurs. Ok, il y a rien d'autre par là? Il y avait absolument rien d'autre. Reviens là, ferme. Attends, ferme. Histoire qu'elle se barre pas. Ça serait plutôt bien. Là, y a rien. Parlez. C'est con, j'ai dû prendre le lait, j'ai oublié. Tu sais ce qui leur est arrivé? Pas encore, désolé. Bah si, j'ai réparé. Ah, il faut que j'y aille. Ah, il veut que j'aille explorer. Le problème, c'est qu'il pleut, du coup, désolé. J'en repasserai avec grand plaisir bientôt. Mais là, il faut vraiment que j'entre. Rien de personnel. Le problème, c'est que je peux pas planter, malheureusement. Parce qu'on est quand? Montre, on est quel jour? 19, 20... Ah, j'aurais peut-être pu. J'aurais peut-être pu, je sais pas. Je me rends pas compte si j'ai le temps. On va peut-être pas prendre de risque. Pas prendre de risque un peu con. En même temps, on est full haut. On a pas grand-chose à y perdre. Vas-y, vas-y, est-ce que j'ai le temps? Littéralement, d'aller chercher quelques graines. Je sais pas si j'ai le temps de laisser pousser. Attends, j'ai quoi, là? On prend. On verra bien ce qui me reste. Au pire, je mets des carottes, un truc un peu éclaté. Comme ça, même si j'ai pas le temps, c'est pas très grave. Littéralement, enfin. Vas-y, vite. Allez. Gentil. Attends. Planté. Je crois que je vais mettre full carotte. On va pas se prendre la tête, comme ça, ça coûte pas cher. Si jamais je devais abandonner, on n'a pas perdu non plus ma stune. Voyez-vous. Parce que je suis pas sûr que j'ai le temps de tout planter avant qu'il arrive. Allez, allez, dépêche-toi. Littéralement, enfin. Allez. Le dernier. Voilà, messieurs. C'est bon? Ça manque de soleil, forcément. Qu'est-ce qu'on a par ici? Niveau off. Récupère tout ce que tu peux. Ah, mais l'eau, oui, merde, j'ai oublié de récupérer l'eau, je suis con. Ah, j'ai perdu de l'eau pour rien, là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tout est arrosé tranquillement. Tout ça, c'est bon. Est-ce que je peux te mettre plus d'eau, là? Tout ça, c'est autorisé, y'a pas de problème. Il n'y a aucun souci, messieurs. Vas-y, range ton eau. Tout ça au frigo. Je vais pas faire rentrer d'argent, par contre, sans me... le postier, là, pendant 2 jours. Faut que je lui file les œufs, ça. Est-ce que je peux lui filer les œufs? Ça et 5 œufs. C'est pareil. Je peux à la limite vite y aller. Ça se tente, non? À la limite, ça se tente. C'est pas ce que je voulais faire de base, mais... je pense juste lui filer son truc. Histoire qu'il soit content. Bah, je peux ou pas? Je sais, peut-être que... du lait et des œufs. J'ai ce que tu voulais. Pas maintenant. Oh, t'es chiant, enfin. Fais pas d'efforts aussi. À un moment, je suis sympa et tout. Et tu me traites comme ça. T'auras honte. Littéralement, enfin. J'aurais dû faire plus de sauts d'ailleurs. Ah, l'ordinateur, j'ai pas fait. Je suis en train de me dire. Ok, c'est bon, c'est pas. L'ordinateur. Vas-y, repose ça. On va finir par y arriver. Parce que le problème, c'est l'ordinateur pour le crafter. Ça va être la merde, j'imagine. Où est-ce que c'est l'ordi? J'ai absolument aucune idée. Établi. Ça, c'était bon. Ordinateur. Oh, il faut un composant électronique et du plastique. Ouf. Oh, l'enfer. Ah! En
plus je peux pas. En plus je peux même pas commander de pièces. Non. Composants électriques et du plastique. Ah, comment je vais faire? Où est-ce que je peux trouver du plastique là-dedans? Verre, tout ça c'est du verre. Il en faut combien de ces trucs? 4 à 12. Ah ouais, je vais être dans la merde. Composants électroniques, je vais pouvoir faire. Je vais jamais pouvoir recréer ça. Je vais être dans la merde. Littéralement. Ok, les seaux sont pas remplis malheureusement, tout ça non plus. Ce qui veut dire, messieurs. Ce qui veut dire que c'est globalement la merde. Ah, ça je suis pas censé l'avoir sur moi. Au passage. Attends, est-ce que j'ai des trucs à décrafter ou quoi? Tiens, vas-y, va décrafter ça avant de te coucher. Je sais pas si j'ai le temps d'en faire un. Ça serait parfait, messieurs. Voilà. Attends, est-ce que du coup c'est demain là qui vient ou c'est après-demain? Ok, c'est après-demain. Oh, ça va être chaud. Enfin, je sais pas si je vais pouvoir faire ce qu'il faut. Littéralement, je sais pas. Allons nous coucher, on verra ça demain. Bonne soirée, messieurs. Alors, avant-dernière journée avant qu'ils viennent. Oh, il pleut, dépêche-toi, dépêche-toi. Profitons-en, messieurs. Ah bah, il n'y a pas encore ce qu'il faut. Attends, à manger, qu'est-ce qu'on a à fond? Qu'aurais-tu à me proposer de délicieux? Bah, rien en fait, j'ai littéralement plus rien. Globalement. Attends, mets-moi ça. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai du bigot. Faut. Attends, je peux arrêter le bigot en cours ou. Vas-y. Récupère l'eau. Mais je peux pas. Ah, trop lourd, zut. Littéralement, j'ai plus de place. Ah, c'est un enfer. Est-ce que je peux mettre de l'eau là? Pourquoi on est trop lourd? Vas-y, prends-moi ça. Mais t'es sérieux là, trop lourd? Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule? Littéralement. Ok. On mange un petit peu. Histoire de se mettre au max, parfait. Ensuite, est-ce que je peux te préparer autre chose? Du bigot encore? Mais fais-toi plaisir. Voilà. Et niveau conserve? Tout à l'heure j'avais des trucs pour les conserves je crois. Du kimchi, chou au sel. Il faut chou au sel. On verra si on a ce qu'il faut. Parce que j'avoue que ça pourrait être plutôt rentable. Je sais pas si on aura le temps de faire pousser tout ça, j'espère. Littéralement, croisons les doigts. Attends, du coup j'en suis ouf. Ouf. Je pose. Mets au frigo tout ce qu'il y a à mettre. J'ai de toute façon de nouveau pas de postier. Ah, du coup, il manque une pièce électronique. Wow. Où est-ce que je vais pouvoir trouver une pièce électronique? Inspecter. Il n'y a pas d'électronique dedans, malheureusement. Voyez-vous, quantité sûre 0 à 4 plantes. Inspecter. Je récupère de la terre. Ok, ça sert absolument à rien. Ah, je suis dans la merde. Composants électroniques, comment je vais pouvoir faire? Réfléchissons, fais une petite sieste. Faisons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que je peux poser? 5 de métal. Est-ce que tu pourrais me poser ça là? Littéralement pour le moment. Voilà. On démonte ça. Et on va croiser les doigts pour que ça aille parce que. C'est compliqué, messieurs. Ok, alors qu'est-ce que je dois faire? Pose tout ce que tu peux. Voilà. Plus. Ce qu'il nous faut. Il faudrait que j'aille dans la grotte. Peut-être que je pourrais acheter un composant électronique là-bas. Je sais pas, j'imagine. J'espère. Parce que sinon, c'est la merde. Littéralement. Il faut qu'on avance là. Ah, mais j'ai pas pris la carte. Non, non, la carte. Je suis trop con, enfin. Récupère la carte. Oh, la perte de temps. Littéralement. On peut pas faire une erreur pareille. Carte qui doit être là-dedans, je crois. Me semble-t-il. Ça va toujours à manger. What? J'ai qu'une poule et elle est morte? Ah non, elle est là, l'autre, j'ai peur. La carte, je prends. Est-ce que j'aurais pu prendre autre chose? Ça, non. Ok, vas-y. On remonte, dépêche-toi. Pas de temps à perdre, messieurs. Littéralement. La mine, apporter 8 champignons de la mine de Jenny.
Ok, j'ai la carte. Est-ce que les champignons seraient pas tout en bas d'ailleurs? Je suis en train de me dire. Tout simplement. Donc là, faut que je mette la carte. Panneau de contrôle. Non, tu veux pas? Attends, du coup, j'ai accès. Ah, c'est bon, ça descend. Je sais pas si je dois avoir la carte sur moi. Ou si c'était pas du tout nécessaire en fait. J'en ai aucune idée. Ok, comment ça marche déjà? Ça, ça sert à broyer, je crois. Ah oui, je mets de l'essence, ça fait avancer la machine. C'est juste. Pour récupérer des ressources tout seul, tu lui files de l'essence et le gars est content. Là, c'est le gars qui habite ici. Et je peux peut-être lui prendre quelque chose ou lui acheter. Échanger. Est-ce que par hasard... Non, t'as pas un composant électronique, absolument pas. Ah ! Et je peux rien te piquer ? Parce que je t'aurais pris des choses avec plaisir. Encore plus fort le Mac là. Littéralement. Onboard, inspecter, prendre. Je peux te prendre ton ordinateur ? Non ? J'avais espoir. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Beaucoup d'avoir réparé l'ascenseur, ça fait beaucoup de choses. Tous les équipements électriques semblent se casser facilement ces jours-ci. Comme cette radio, elle ne s'allume plus jamais. Vous la voulez, j'en ai aucune utilité de toute façon. Ah bah attends, du coup, je peux peut-être décrafter la radio et du coup j'aurai la pièce qui manque. Ok, le téléphone. Un peu de tourisme. Je peux prendre apparemment le téléphone. Ma veste dans les alentours. Elle est rouge et blanche, un peu sale, elle a une valeur sentimentale et les choses très importantes ici. Ok, donc faut choper sa veste. Il y a certains organismes de l'amide. Griffon, ok, des trucs pas cool en bas. C'est tout. Le téléphone, il est où? Il me propose de prendre son délicieux téléphone, mais c'est-à-dire... Où est-ce que tu vois un téléphone, mec? Moi, je veux bien te le prendre. Ça serait grand, grand, grand plaisir, mais je vois pas vraiment de téléphone, en fait. Ok, on va dire que c'est pas grave. Au moins, j'ai la radio. Je peux la décrafter pour crafter l'ordi, il me semble. Je dois avoir ce qu'il faut, logiquement. Je suis censé... Bon, déjà qu'on est là, autant faire les choses bien, à savoir. Équipe-toi de ça. Là ou là? Ah, je peux avoir les deux, en fait. Ok. Et comment je fais pour sélectionner? Ah, mais j'ai pas besoin de ça pour le moment. Attends. Descendre. Sors là. Est-ce que vraiment j'ai besoin de les fighter? Je suis pas sûr du move. Je vous avoue. Mais bon, on verra bien. On est en train de littéralement mourir. Ok, donc là... Comment je fais pour me sélectionner? J'en ai aucune idée. Tiens, vas-y. Ah, en changeant F, ça change. Ok, ça switch. Miné. Ah, il manque un bruit. Il n'y a pas de bruit, littéralement. Voyez-vous? Ah, merde, putain, mais tape. S'il te plaît, prendre. C'est quoi, ça? Ok, j'ai aucune idée. Oh, de l'or. Ça va, je peux juste les vendre ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que je dois en faire. D'ailleurs, je suis en train de me dire. C'est quoi, 15h, c'est bon? Vas-y, descendre. Il y a une carte bleue, là, à récupérer. Prendre. Ah, déjà... ah, c'est ça, les champignons! C'est ça, les fameux champignons qu'elle veut. Attends, faut... J'ai pas mon casque? J'ai totalement mon casque, là. Littéralement, enfin. Ouvrir. Ce qui est quand même plus pratique. Je vous avoue. Oh, de l'essence. Oh, je prends, messieurs. Parfait, ça. Pour aller de l'autre côté, attends, monter. Non, descendre, du coup. Est-ce qu'on a le temps? Niveau poids, c'est bon, j'ai encore de la place. D'ailleurs, je pourrais presque stocker dedans par sécurité. Je suis en train de me dire. Voilà. Yes, j'ai mes champignons. On change. On est carrément bien. Ah, c'est bon. Je vais perdre ma batte, faut que j'en fasse une autre. Le problème, c'est que le bois, c'est juste tellement précieux, littéralement. C'est bon, je prends la carte. Du coup, on aura accès à un sous-sol encore. L'essence, je vais pas le mettre. Oh non. Oh non, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé, le con. J'ai oublié qu'il y a des fights. Oh non, 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 non. J'ai pas envie de crever.
Oh, je vais crever, c'est sûr. J'ai rien pour manger. Non, 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 non. C'est bon? Ok, c'est bon. Toujours prendre à manger quand on va dans les grottes. Note à moi-même, ça pourrait être vachement bien. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est vrai que ça peut être utile. Voyez-vous, est-ce que j'ai le temps d'aller? Ma vie, elle descend toute seule ou pas? Je sais pas si elle descend toute seule. Attends, c'est le dernier truc qui reste, vas-y, on va se le faire. C'est le dernier de la zone, ce serait con de pas le prendre. Comme ça, on a un nouveau niveau de la mine fait. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Miné. Ok, oui, c'est de ce côté. J'arrive après là. Littéralement. Quoique la vie, elle descend. Ouais, c'est un peu chaud là, la vie. Ça serait con de mourir pour ça quand même. Ça, je dis rien. Mais c'est vrai qu'à choisir, bon. Oh, un couteau. C'est pas bien ça. Littéralement, enfin. Stockage. Ok, il faut que je remonte. Littéralement. Dépêche. Oh là, j'ai ma vie qui est en train de descendre. Ouais, elle est en train de descendre. Oh putain, faut que je rentre. Vite. File-moi tout. Ah, trop lourd, zut. Pas grave, attends, laisse ça là au pire. Minerai de fer, voilà. Remonter. J'ai le temps de rentrer sans mourir. Là, c'est bon, de la vie sans. Au pire, j'ai de la bouffe. Je suis en train de me dire, j'ai pas la bouffe de rat ou champi. Le problème, c'est que je suis pas sûr que ce soit fou. Je suis pas sûr que ça soit folichon. Descente de stockage. Comment je me barre? Ouais, je sais pas. Comment je fais pour partir? Ah là, ok, j'ai peur. Entrée. Ok, j'ai flippé. Je suis à combien? 7 sur 100. Oula! On va se dépêcher. Faudrait commencer à se dépêcher là. Ça serait quand même sacrément con comme mort. Je sais pas ce qui se passe si on meurt. Est-ce qu'on revient sur la sauvegarde du jour d'avant, j'imagine? Tu perds ta journée logiquement. Ok, donc le niveau 2 ou 1, je sais plus quel niveau c'était, mais c'est fait. Vite, go manger, go manger. Dis-moi que j'ai un truc d'ailleurs. Je suis en train de me dire. Ok. Jamais autant apprécié ça. Voyez-vous, ça en est ouf. Trop lourd. Qu'est-ce que je dois poser? Il faudrait que je fasse une armoire ou une connerie comme ça pour pouvoir poser tout le bordel. On a quoi pour les rangements? En hauteur. Attends, c'est où déjà pour commencer? Comment je fais pour faire un rangement? C'est soit... placard. Toi, un placard. J'ai pas ce qu'il faut. Placard de cuisine. 5, sérieux? 6 de bois. 10, 5. Je peux mettre que 5 trucs. Oh, c'est un peu con. Non, c'est un peu con. On fera 100. Pose des trucs interdits. Je crois que c'est demain qui vient, non? Pose tout le bordel. Littéralement. On va laisser tout ça là. Je vais laisser mon casque aussi, accessoirement. Bon, je sens, je crois qu'il n'y a pas de problème. Je peux littéralement laisser sur moi, on s'en fout. De l'eau. Est-ce que je peux monter? Il y a des trucs pas illégaux là? Des roches, ok, je peux avoir la roche sur moi. L'or aussi. Un peu d'eau. Comme ça, qu'est-ce que j'avais d'autre à poser? D'illégal. Ça. Sans ça, on s'en fout, du coup, je peux garder sur moi, on s'en fout littéralement. C'est con ce que je fais. Collecter. Remontons, remontons, messieurs. Parce que là. Donc, est-ce que je peux crafter la radio? Si je peux crafter la radio. Ok, 2 pièces d'électronique, parfait. Je vais pouvoir refaire le PC. Et du coup, être sauvé. Théoriquement, enfin. Ordinateur. Créer. Ah, ça m'emmerde fortement de devoir recréer ça, mais bon. Écoute, y'a pas le choix, y'a pas le choix. Enfin, le temps que j'ai perdu en plus. J'ai jamais pu le faire, c'est trop long. À 1h15. Non. Annule, annule, annule. Annule, malheureusement. Je vais devoir tout refaire de zéro. Ah, oh, c'est super long à faire, quelle merde. L'enfer, littéralement. Ok, c'est pas fou. C'est pas fou. Jour d'inspection.
Alors, jour d'inspection, et on a plein de trucs. C'est littéralement la merde, messieurs. Dépêche-toi, viens. Prends-le au passage. On va s'en sortir. On va faire ça de façon stratégique et logique. Et tout ira bien. Je sais pas, prends des trucs. Le problème, c'est que... Ah, j'ai pas posé les trucs, zut. On peut préparer quelque chose à part des carottes. Un rare rôti. Ça a l'air d'éclater, mais bon. Quand on est un peu désespéré. On est prêt littéralement à tout. J'ai pas posé les légumes. Ok. Ça, c'est bon. Pose l'eau. Vite, faut que je crafte l'ordinateur. Je dois reprendre de zéro ou... Ah, je suis dégoûté par le temps. Quoi. Ordinateur. C'est bon comme ça? Ah, je dois tout recommencer. C'est un autre plaisir ça, messieurs. Nouveau perte de temps. Bon, j'avais pas le choix. Sur moi, j'avais quoi d'autre? Du coup, on s'en fout ce que j'ai sur moi. Non, je l'ai annulé! Non, je l'ai annulé! Mais quel abruti! Continuez, c'est bon, ouf. Ah, coup de pression, ouf. Petit coup de pression, messieurs. Pose-moi l'ordi. Que j'avais décrafté comme un énorme boulet, voyez-vous. Alors. Inspecter, c'est bon. Cette fois, il va être content, ça pleut. Qui dit pluie, dit ça m'arrange fortement. J'en étais où, là? Yeah, ça a poussé. Donc, je vais pouvoir ramasser tout ça. Dommage qu'il pleuve maintenant et pas plus tard. Parce que là, du coup, je suis obligé de les enlever pour l'inspection. Il me semble pas que j'ai le droit d'avoir tout ça. On est d'accord, non? Inspecter. Ah non, c'est... Étape, besoin de nouvelles graines. Ouais, non, je suis pas censé pouvoir le prendre. Ok. Et il me semble que je garde... Si je garde dans la poche, c'est bon. Je m'attends à les poser et tout ça. Enfin, je me merde à chaque fois. Me semble-t-il. Prendre. Ok. On va s'en sortir. Lentement mais sûrement. Faut qu'on check ce qu'on a. Ok, tout ça c'est légal, y a pas de problème. Ah mais je peux pas avoir autant de trucs là par contre, fais gaffe. J'enlève deux. C'est juste. Il faut que j'enlève littéralement deux. Est-ce que je peux aller vendre des trucs? Enfin, j'ai trop de poids. À cause de quoi? Qu'est-ce qui pèse si lourd? Non, bah c'est quoi? Ah, je suis... Putain, pourquoi je suis si lourd? C'est pas mes carottes qui pèsent si lourd! C'est mes carottes qui pèsent si lourd, sérieux? Ça n'a pas de sens! Ça n'a pas de sens! J'ai quoi sur moi? Il va arriver en plus, fais pas le fou! Changer! Est-ce que je peux te vendre des trucs? Vite! Faut que j'y aille, je suis taré de commencer à faire ça. Enfin, changer, il va arriver, il va arriver. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Recouvrir. Ça, c'est fermé. Qu'est-ce que j'ai d'interdit? Je suis sûr que j'ai des trucs interdits quelque part qui traînent. J'ai peur. Ok, ça risque pas d'en faire trop. Ça. Ça, c'est bon. Attends, je le prends. Ah, je suis trop lourd. Tant pis, tant pis, tant pis. Normalement, je crois que j'ai rien d'autre. Je crois que je suis à jour. Poison. Oh non, non, là-bas, je suis pas à jour. Vite, pose des trucs. Où est-ce que je peux poser de la merde? Ça, je peux poser. Ça, je peux poser. Ok, c'est bon. Vite, prends. Prendre. Tant pis pour l'eau, tant pis pour l'eau. J'avais droit qu'à deux. Oh, c'était chaud. Oh, c'était chaud, messieurs. Je crois que je suis juste, j'espère. Oh, le coup de pression, là. Le petit coup de pression. C'est ça, de vouloir faire le malin. Ouh. Allez, dis-moi que ça passe. Mm. Dis-moi qu'on a tout. Est-ce que je peux aller chercher l'eau? Non, je vais pas bouger pendant ce temps. S'il continue de pleuvoir, j'ai peut-être le temps de... Dès qu'il a fini, il faut que je rush poser la terre. Et je peux peut-être replanter directement. Oh, monsieur Pep. Tout va bien? Dis-moi que j'ai pas de choqué. J'ai recrafté l'ordinateur et la radio. C'était un objet obligatoire, du coup j'espère que la suspicion va redescendre. Parce que j'avoue, se faire avoir là-dessus, c'est quand même sacrément con. Est-ce que c'est tout bon, messieurs? Dis-moi que c'est tout ok. Donc dès qu'il se barre, je chope les graines, je vais repousser, rebattre les plantes directes. Avant qu'il arrête de pleuvoir pour récupérer la pluie gratos. Dis-moi que c'est tout bon. Dis-moi que c'est tout bon, s'il te plaît.
Dis-moi qu'on a assuré. Yes, c'est descendu. Consommation, c'est bon. On n'a pas trop consommé. Vite, vite. Les graines, les graines, les graines. Prends tout ce que tu peux. Je suis pas trop lourd. Ah, vas-y. Va poser, on réfléchira plus tard. Oui, ma terre. Littéralement. Attends, vas-y, plante. Alors, qu'est-ce que t'as à me planter? Vite, vite, planter. On se dépêche. Ah putain, choque pas maintenant. Il faut vraiment pas te choquer, messieurs. Planter. Niveau consommation d'eau aussi, on est bon. J'espère que ça va continuer. Je m'en rends pas compte. En fait, on peut pas vraiment savoir combien tu es censé utiliser. Ce qui est forcément pas super pratique. Allez, arrête de te choquer. Et plante. Plus vite. Attends, je ferai pas n'importe quoi. Littéralement. Le stress, messieurs. Dis-moi que c'est bon. Planter. Allez, 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 allez. Dis-moi que j'ai le temps de tout mettre. Je l'ai raté, c'est pas grave. Ah. Je crois que je peux mettre un truc de terre en plus. Bon, bah du coup, là, ça sert plus à grand chose, mais normalement, je vais pouvoir en mettre un de plus. Ok, on a réussi à en mettre un maximum là, parfait. Attends, juste. Repose ça. Repose ça. Récupère l'eau. Parfait, parfait, ça. Ok, j'ai littéralement trop de bordel sur moi. Attends, j'étais parti pour vendre, je crois. Bien, bien, écoutez. Littéralement. Attends, je sais pas ce que j'ai reçu, on verra ça après. Je peux pas te vendre d'autres choses. Qu'est-ce que j'aurais pu vendre? Acheter, je peux t'acheter ça. Histoire de te faire... Ah mais non, mais il y a le supermarché, il n'y a pas de... d'être pote en fait, j'ai pas fait gaffe. Ah, c'est con du coup ce que j'avais dit. On peut pas être pote avec eux. Qu'est-ce que t'as à me proposer? J'ai pas de thunes pour acheter. Et vendre, j'ai absolument rien de spécial pour le moment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce que je suis censé faire? Range l'eau. On va arranger tout ce que je peux dans le frigo. Littéralement. Ok, carottes, j'en ai trop. Est-ce que tu pourrais me faire un petit peu des... Parce que j'ai de l'eau qui traîne. Je vais faire une soupe. Quitte à faire. N'est-ce pas? Petite sieste. Oula, il est en train de tomber le monsieur. Littéralement. Enfin, la fatigue est présente. Et il pleut bien là, j'ai eu la chance. Il a de pleuvoir, par là. On a eu le temps de faire les champs, tant mieux. Attends, stop. Stop, stop, stop. Je m'en sors pas là, il y a trop de choses. Littéralement. Des slogans étrangers, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout prendre. Des graffitis sont apparus récemment dans la ville, les slogans étrangers. Ok, une résistance qui est en place. Ah, j'ai pas récupéré de thunes par contre. Ouf, je pense à récupérer de la thune, je suis hyper pauvre. Est-ce que j'ai choqué? J'ai pas acheté les... J'ai pas fait ce qu'il fallait? J'ai pas checké tout à l'heure, j'ai peut-être fait une connerie. C'est pas impossible, messieurs. Voyez-vous. Ok, cuisiner. Ça m'embête un petit peu de cuisiner, mais bon. Ultimement, y a pas le choix. Ok, j'ai deux soupes. Ça, je pose. Faut que j'aille donner des champignons. Oh, y a trop de choses. Qu'est-ce que je dois faire en priorité? Là, je suis plein avec tous les trucs. J'ai plein d'eau de réserve. Par contre, en termes de réserve, je suis plein d'eau. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quel est le plus important? J'ai les champignons. Attends, je peux prendre des champignons. C'est combien de champignons qu'il faut? 8 champignons. Alors, séparé. Ok. Il me fallait 5 œufs. Littéralement. Ça. Ok, je crois qu'on est bon. Niveau poids, je suis à combien là? 43, j'ai quoi sur moi qui pèse lourd? Qu'est-ce que j'aurais dû poser? Je dois avoir un truc à la con. Bah ça. Pose les graines, pose tout en fait. Littéralement. Ok, on y va comme ça. Alors, une chose après l'autre, on va voir Jenny d'abord. Go voir Jenny s'il te plaît. Ah non, c'est pas là, attends, pardon. Autant pour moi là. J'ai dit voir Jenny. On lui file ses champignons. Enfin, ça, je prends quand même ce qu'il y a dessus. Il n'y a pas de raison. Voilà. Littéralement. Il fait déjà nuit, c'est terrible. C'est absolument terrible, messieurs.
Alors, Jenny, j'ai pour toi, enfin, ce que tu m'as demandé. Des champignons, enfin, oui, tiens. Pas vraiment une problème de santé, mais c'était les voici. Je propose très bientôt une recette pour en nouveauté. Pendant ce temps, de plus en plus de gens se plaignent de problèmes de sommeil, de maux de tête étrangers et de problèmes de concentration. Là-dessus aussi, mon chéri, un petit peu. La fatigue, clairement. Alors, base de plantes ne semble pas fonctionner comme il devrait. Donc je pense que je dois intensifier un peu et essayer de nouveaux mélanges. Plus loin dans les bois, il y a une plante de guarana. Tu les reconnaîtras par leurs fruits rouges. Impossible de se tromper avec quoi que ce soit d'autre. Guarana, c'est une sorte de plante exotique, n'est-ce pas? Alors, apporte-moi des fruits et je verrai s'ils fonctionnent dans mes mélanges. Ok, tout ce qu'il faut pour de bons mélanges à base de plantes, n'est-ce pas? Fruits exotiques. Je dois réparer le truc, faut que je trouve la veste. Ok, donc c'est bon? Est-ce que je peux échanger quelque chose par hasard? Je peux rien vendre. J'ai pas de thunes. On est dans la pauvreté la plus totale. Ok, ça c'est bon. Il fallait que j'aille voir le paysan. Littéralement. Il fait déjà nuit, c'est terrible. Ah, il faut que je rentre, j'ai pas vu. Oh non, dis-moi pas que je vais tomber. Rentre à la maison. Non, 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 je suis... Je vais tomber. J'ai le temps d'aller jusqu'au lit. Non, je suis à zéro. Littéralement. Vite, 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 dormir. Non, 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 dormir, dormir. Oh la chance. Oh la chance, messieurs. On va plus faire une sieste, mais c'est pas grave, dors. On se remet à 100. Ouf, bon bah journée d'interrogation, enfin de contrôle réussi messieurs. On a rendez-vous dans une semaine, pour ainsi dire. Chaud. C'est chaud littéralement. Nouvelle journée. Alors, va vite manger un petit truc. On va à la ferme direct. Ah mais attends, j'espère que c'est pas pourri parce que j'ai pas amené du coup mes trucs. Ah juste. Attends. C'est de tout prendre. On va essayer. Alors j'ai un peu là. Faut qu'on vende les trucs. Ah, on prend le journal. Une chose après l'autre. Donc le journal. Qu'est-ce qu'on a fait? Coupure d'électricité, orage. Ah, pas cool ça. C'est clairement pas cool. Qu'est-ce que je peux lui vendre? Mariner. Faut que je fasse absolument ces trucs. Il y a plein de choses qu'on doit faire. Qu'est-ce que je voulais vendre à elle? Alors, vendons ce qu'on peut. Parce que je suis littéralement sans thune, voyez-vous. Ouh, les radis c'est rentable. Littéralement, enfin. Est-ce qu'on peut te vendre autre chose? Non, c'est bon. Ok, donc pause. On a vendu le minimum, messieurs. Ça. Bon, ils vont pourrir, mes pauvres radis. Est-ce que je pourrais pas en faire quelque chose? Oh, il pleut, parfait. Récupère de l'eau. Est-ce que je pourrais pas te faire une petite soupe de betterave ou une soupe de champignons? C'est pas vraiment ce que je voulais. Dans mes betteraves, je peux en faire quoi? Légumes? Si je fais une soupe de légumes, je peux en faire une... Ah! Dans une soupe de légumes, c'était quoi? Littéralement, soupe de carottes, soupe de légumes. Il me faut des carottes et des choux. Où en sont mes trucs? Ils sont pas prêts? Oh, attends, je vais peut-être me faire des trucs, là, du coup. Il y a peut-être moyen de me faire quelques boîtes. Après, est-ce que ça peut être rentable à vendre? Je ne sais pas. C'est pas prêt? T'es sérieux, là? Ah, trop lourd, ok. Je me disais bien. J'ai quoi sur moi? Pourquoi j'ai tellement de bordel? On reprend ça. Pose l'eau, enfin... qu'est-ce qui pèse si lourd? C'est quoi qui est si lourd sur moi? Ça peut pas être les graines quand même. Littéralement, enfin. Non, ok. Ça, ça pèse ou pas? Qu'est-ce que j'avais ici? Attends, on pose des trucs. Lait déjà, ça je peux le poser aussi. Attends, puis faut que je replante. Non, je suis con. Ah, le con. Il pleut donc faut replanter, je suis débile. Littéralement. Carottes, maïs, orange, chou. Chou je peux en mettre, maïs je pourrais pas. J'ai pas d'autres graines. Guarana, chou, betterave. Ok, vite, 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 parce que je suis un peu con là. Faut que je replante. J'ai complètement zappé ce détail. Voyez-vous, j'achète des trucs pour replanter aussi. Littéralement, enfin. Allez, vite, plante.
Clairement pas de temps à perdre. On se met bien avec des champs de l'infini comme ça. Littéralement, enfin. Vite. Pas de temps à perdre. Mentir. Ok, on a eu le temps, parfait. J'amasse l'eau d'ailleurs aussi. Les seaux d'eau. Allez, parfait. Ce qui veut dire. Ramassons l'eau. Ok. Le problème, c'est que j'ai un problème, c'est que j'ai trop d'eau et j'ai plus rien pour stocker. Littéralement, ça commence à être problématique. Vous voyez où c'est bon? Ok, reprends tes trucs. Attends, je me pose des quoi? Pourquoi je suis si lourd? C'est un truc de fou. C'est quoi qui pèse si lourd sur moi? Littéralement. Fin. Ok, est-ce que je peux préparer? Donc si je fais des soupes de légumes, je peux en faire plusieurs. Je dois pouvoir après faire des conserves. Après, je sais pas si c'est vraiment la rentabilité. Ou pas. Ok, j'ai fait masse. Je vais en faire encore. Littéralement. Non, je peux pas en faire. J'ai pas pris l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis trop lourd. Littéralement. Ok. Non, je peux pas en faire. Oh, chou. Mais trop lourd. Mais t'es sérieux là, trop lourd? Tu m'emmerdes un petit peu fortement. Attends, parce que du coup, pour faire ma conserve. Pour faire ma délicieuse conserve, kimchi, pâté, omelette, boisson, au sel. Ah, au sel, je peux en faire. Soupe de concombre, champignons. Soupe de légumes, il faut du sel. Ok, sauf que du sel, j'en ai pas. Achetons rapidement du sel. Le problème, c'est que du coup, je vais pas pouvoir en avoir assez. Je suis en train de me dire. Acheter du sel. Je peux en acheter combien? Ok, je peux en acheter masse. J'achète tout le sel possible. Littéralement. Ok, vends ce que tu peux. Quitte à faire, ça me fait rentrer un petit peu de cash. Ok, c'est bon. Ensuite, ce qui veut dire, je dois ranger ça. Ouh, vous accrochez. C'est presque foutu. Attends, ça, je pourrais le transformer à la limite. Si je dis pas de bêtises. Reprendre l'eau. Putain, les chiens me font flipper. Attends, pour les smoothies, on n'a pas besoin d'eau en fait. Je dis des bêtises. Littéralement. Cuisine-moi de bons petits smoothies. Vu que de toute façon, elles vont périmer. Ok, parfait. Ça, je peux ranger. Ah, mais je peux même pas le ranger, j'ai pas de place. Faut que j'aille amener les champignons. Oh, il y a trop de choses. Attends, il y a trop de choses là. Faut que j'amène ça absolument, parce qu'il va périmer. Faisons comme ça. Ranger. Voilà. Faisons comme ça, parce que là, je vais pas m'en sortir. Il faut qu'on y aille absolument. Salut toi, mais pas tout de suite en fait. Attends, pas tout de suite, non, vraiment, faut que j'aille filer le. Ça, on va pas s'en sortir sinon. Littéralement. Normalement, j'ai. Ah, mais j'ai déjà donné les œufs, mais non, je dis. J'ai du lait à des œufs, je sais pas donner. Ouais. Ah oui, il voulait pas, ce qu'il voulait que j'aille voir là-bas. Le problème, c'est que c'est en train de périmer, il m'emmerde littéralement. Il faut que j'aille voir ce qui se passe derrière. Ah, l'enfer. Littéralement, enfin. Ok. Pas super pratique. Allons, vas-y. Puis leur a bouffé. Voilà. Est-ce que je peux récupérer? Je vois rien de suspect ici. N'est-ce pas, frère? Ok. Ça me fait du lait. Est-ce que je peux te filer toute la bouffe? Voilà. Donc là, tu l'ouvres. Il faut que je trouve quelque chose de. Ah! Genre ça. L'animal est le premier d'humain, c'est sûr. Quelqu'un aurait volé les animaux? Sérieux? Là, y'a rien. Plus près de l'étable. Des indices plus près de l'étable? Qu'est-ce que tu veux que je trouve de comme indice plus près de l'étable? Je suis sans. Je vais aller où? Je pense pas trouver des indices si loin. Ok, faut que je suis pas censé aller là-bas. Bah, enfin, demi-tour. Juste aller voir si on y trouve quelque chose. Je sais plus s'il y a des trucs en particulier à ramasser par là.
Bon, c'était juste ça en fait. Autant dire intéressant, donc non, on retourne là. Des indices près de l'étable. De l'autre côté peut-être. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme indice? Y'a rien là. Y'a littéralement. Faut pas aller aussi loin. Qu'est-ce qu'il pourrait trouver comme indice? Y'a absolument rien, monsieur. Ah. J'ai raté celle-ci. Peut-être pour ça. Empreinte d'animaux par terre. Ok. Merde, j'ai déjà avancé. Posons des pièges dans cette zone et découvrons les coupables. Posons des pièges? Ok. Installer 3 pièges à ours avec des appâts derrière les tables. Oh. Ok, ouais, c'est bon, je sais, il faut fermer la nuit. Ferme-moi ça. Littéralement. On a de quoi manger. Ah! Plaisir de vous voir par surprise. Franchement, je mets mon casque sur la gueule. Comment ça se passe, la ferme? Les animaux ont cessé de faire des leurres. J'ai réparé quelques trucs ici et là. Mais c'est donc rien passé de mal. Certains animaux ont disparu. Ça s'est passé hier soir. Je pense que c'est à cause d'animaux sauvages. Je vais m'en occuper. Je continue à vérifier le progrès. Que Dieu bénisse le président. Ok. Je sais pas si j'avais eu un truc interdit, genre le casque. Est-ce que ça a posé problème? Ouais, il y a quelque chose de caché par ici, clairement. Quand on se rendra par là, faudra faire gaffe. Qu'est-ce que c'était? Quelques animaux sauvages. Je vais mettre des pièges, on devrait se débarrasser du problème. Mais faites attention où vous mettez les pieds, je voudrais pas vous retrouver pris dans un de ces pièges. Sois prudent. Est-ce que je peux te filer mon lait maintenant, s'il te plaît? Est-ce qu'il va périmer? Du lait à des œufs. Ah, enfin. C'est bon, il a pris mon lait et mes œufs. Ça vient vraiment de mes animaux. Ouais, c'est tout frais, ça vient de notre propre ferme. Merci pour ton aide, je ne devrais pas avoir de problème à la prochaine inspection. Maintenant, je te paierai les œufs et le lait que tu apporteras. Maintenant, c'est ton travail, après tout, je ne crois pas que l'agence envisage de te payer. Oh, intéressant ça, monsieur. Alors, des recettes simples à base d'œufs. Oh, nice. Après, je pense qu'il vaut mieux mettre les œufs avec du sel dans du bocal, puis les revendre. Ok, j'ai rien à te dire. Parfait, parfait. Qu'est-ce que j'ai? Poisson grillé, fromage, œuf au plat. Oh, c'est trop bien, dis donc. Je peux me faire du fromage et tout, c'est trop stylé. Littéralement. Qu'est-ce qu'on devait faire? Lac, forêt, mine, maison. Mine, ça porte plus tard, c'est trop tard. Là, je suis fatigué, il faut qu'on rentre. Littéralement. Alors. Ok, j'ai récupéré du sel. Est-ce que je fais une petite sieste ou pas? Genre une mini sieste. Juste de quoi remonter un petit peu. Ok, viens par là. Qu'est-ce que j'ai récupéré sur moi? Est-ce que je peux poser ça du coup? Les graines. On est pas mal. Il faut que je pose du coup tout ce qui est bouffe. Littéralement. Ok. On va s'en sortir de ce côté, c'est bon, ça pousse. Qu'est-ce qu'il y a à ranger? Le sel, les œufs. Donc la soupe. Enfin, je vais pas la manger surtout. Viens là, est-ce que je peux cuisiner ce que je voulais? Œuf au plat. Œuf au sel. Ouh. Soupe en légumes. Ok, alors j'espère que ça vaut la peine, que je pourrais vendre mes vegetable soup. Vous voyez pas les ingrédients, mais c'est pas grave. Je vais les transformer. 21h40. Je sais pas si je peux tous les faire. Ça me paraît un peu compliqué. Non, on pourra pas tous les faire. Attends, peut-être une petite sieste. 22h40. Ah non, ça va être... non, ça passera jamais. Si je fais une petite sieste, du coup, on s'approche trop de minuit. À minuit, on s'effondre de fatigue. Littéralement. Cuisiner. Mais oui, on a eu le temps. Yes. C'est bon. Comme ça, j'ai toutes mes boîtes prêtes. Les œufs, je les range. On a de délicieux œufs, messieurs. Parfait, parfait. Je laisse le sel juste au-dessus. Littéralement. Ah oui, j'ai ça que j'avais récupéré. Ok. Va dormir. Une bien belle journée, ma foi, messieurs de nouveau. Enfin, on avance bien. Mine de rien. Ça prend du temps, mais on avance bien. Là, j'avais rien. Là, ça pousse. Parfait. Il faut absolument que j'agrandisse en dessous pour pouvoir mettre justement des plantations de plus grandes plantes.